Time 3, normalement je vais lui faire sauter le crâne. Oh non! Oh là là! Donc on est en colère. Là, ça se vénère. Oh! Yes, vas-y, énerve-toi bien. Oh là, elle craque. Oh! Oh! Oh. Elle ne s'arrête plus. Oh, classe! Ah, il va me mettre un gros time là. Ah non, il en a pas, donc bim! Pas mal si j'arrive à me déboucher un mec qui a plus d'intelligence. Frenzy! D'accord. Bon bah, j'ai que ça à faire. Hein. Ah ouais, bien joué. Ah non, ça fait rien du tout, d'accord. Donc comment je change la barre du milieu? Si je mets un fax plus gros, ça va marcher. Ah yeah, ça marche. Et maintenant il faut que je fax, mais il en a, ouais, il en a sûrement un plus gros que moi. Ouais. J'ai plus qu'un coup pour l'avoir. Renew. Oh là là, mais... Ah oui, oui, vous me donnez des cartes de merde. Stop resting your proof. Et gling. Victory. Là, tu te casses la gueule. Hein? Potion. Oh, oh, est-ce que je t'ai démonté là? Pourquoi je pouvais le... Ça servait à quoi l'autre truc? Je pouvais l'épargner, genre ouais, vas-y. Oh non, il s'est... Il a affaibli. Ah, c'était tellement dur là, j'en ai mis tellement dans la tronche. My name is Fazang. I've heard much of Killian from my friend here. Would serve you to the utmost of my ability. Good, I would accept great thing from you. Understood. Yahoo! C'est mon tour. On a perdu la porte au nord. C'est pas bien grave, on la reprendra. On est en train de faire cramer cette porte là. Il nous reste encore 6 tours avant le reste, donc on va consolider nos positions. Simplement. Pas besoin d'être 10 là-dedans, on est peut-être un peu trop ici. Mais étant donné que c'est ici qu'on va lancer notre offensive, il faut mieux qu'on soit nombreux. Par contre, pas assez d'argent, donc un pauvre type qui sert à rien, non. Toi, tu sers à rien. Ah non. Ah d'accord, on gagne plus comme ça. Allez, on va retourner à 20 000, mais comme ça on aura 2 000. Et je vais pouvoir recruter... Vlan. Oh, c'est quoi son trait, son skill à Sun Quan? Il a l'air d'avoir un skill pas mal. On va regarder les skills. Critical en bouche chez Fazang, mais par contre Fazang, c'est un stratège, donc on pourra le prendre. Alors, je pense que les skills, ça je suis pas sûr, les skills des... Quand on crée une escouade, on peut choisir des sous-officiers, et je pense que les skills des sous-officiers comptent. Donc il y a moyen de faire des officiers relativement balèzes, je pense. Donc Sun Quan, pédagogie, technique, recherche, cost, halve. Hein? Ah, ça coûte moins cher, ah, d'accord. D'accord. Toi, t'as... Pas mal. Les bâtiments se régénèrent plus vite. Ouais, bon, on a des officiers quand même, ils sont pas ridicules. Après, au niveau de leur stat, on pourrait peut-être mieux faire, mais bon, pas trop grave. Il n'y a pas énormément...
Oula, j'ai pas très bien compris ce que j'ai fait. Donc on avait un prisonnier de Liu Biao. Et j'envoyais quelqu'un le recruter, mais je sais pas du tout ce que ça va donner, à mon avis ça va être un échec total. Ah, Kong Succeed, on s'en fout, il est loin. Ah, on va voir ce que nous dit Mateng. Oh, salut. Yes. Ça a pas amélioré nos trucs. Je vais essayer de le rendre neutre ou amical. Je sais pas s'il a des points sur moi. Je verrai bien si cette unité me fonce dessus ou si elle me fonce pas dessus. De toute façon, ça va être vite vu. Ça sert à rien de chercher. On va reward deux personnes. On peut leur loyauté à fond. Et on va pas faire d'action en bas, Shangyong. 16 000, il a de plus en plus d'unités au sud. Non, je vais attendre qu'il y ait d'autres unités. Ici, j'ai envoyé tout le monde, vous êtes tranquillou. Ouais. Là, on peut recruter ou construire, on va faire les deux. Fazeng et Senquan. Et nous faire des arcs. On va recruter en masse. Et on va inspecter en masse. Un tour qui nous a bien coûté cher. Ici, on va les laisser gagner de l'argent. Et attendre un peu plus. Ah, il a... Par contre, si... Ah, Mateng... Oh, attaque la porte pour moi, Macao, allez. On peut encore construire dans cette ville. Bien sûr, on a encore la moitié de libre. On va construire. On va construire sévère. Nos meilleurs vont construire. Il nous faut un marché en plus. Ici, on a un peu d'argent, donc c'est bien, faut investir. Tac. Tac. On va construire. Ici. Encore là. Il va nous falloir mint, ça coûte 400, Sun Quan. Mince, par contre, je vais avoir Yao Rui. Non, je... Ah non. Oh le con, j'ai construit à côté, je crois que ça m'a coûté. Ah, ça m'a coûté de la thune. Oh, j'ai plus de points d'action, quelle connerie. Car si on construit une forge au milieu, ça multiplie de 1,5 la capacité. Enfin la productivité des marchés. Et si je la mets pas bien au bon, enfin si je la mets pas au bon endroit, voilà, c'est de la perte. Bon, c'est pas grave, on continue. Oh yes, yes. C'est un malade Macao. Oh yes, comme prévu, ça arrive. Par contre, faut pas que je laisse Macao avoir la porte. Là, il n'y arrivera pas. Mais s'il a la porte, c'est-à-dire qu'il va venir nous attaquer juste derrière. Au sud, il nous envoie des archers. Archers, c'est pas un problème, on va vous écraser. Qui on a ici? On a Yizui, Chang Yi. On a encore un gars qui construit derrière. Ce que j'aurais dû regarder, c'est... On a 5000 pikes, c'est très bien. Donc on n'est pas du tout en danger. Il nous reste de l'argent, on va continuer à développer. Sun Quan, tu n'es pas un guerrier, tu es un bon politicien. Tu vas nous construire ça, que je pose bien au milieu, voilà. Je peux encore faire un marché, on n'aura plus d'argent. Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, c'est une bonne idée. Guerrier, toi t'es pas un guerrier et t'as pas mal d'intelligence. J'aimerais bien que Fazeng se repose là, parce que ce con... donc pendant le débat, il a perdu pas mal de force, je crois. Fais voir. Ouais, et en plus, il est pas trop mal. C'est un ministre de Liu Biao en vrai. Mais comment ils vont d'ailleurs, eux? Ah, il bouge pas, il reste dans son coin. Et il a... Ah non, c'est vrai, ça c'est Tao Kui. Sensei, il se développe doucement. Bon, Glang, il est dans son coin, il embêtera personne. Kong Suksan. Kong... Ouais. Et au nord, là, ça se tape sévère. C'est bien car ça va affaiblir Mateng et Liu Chiao, le Lujui. Je sais plus comment il suppose c'est quoi son nom.
Alors on va sauvegarder et on va continuer. Nous revoilà donc, on passe le tour et on n'a plus de points d'action pour avancer. Donc Macao nous aide, on va le laisser s'écraser quand même contre la porte. Là, à partir de là, il a plus de morale, donc il ne pourra plus lancer l'attaque spéciale, donc il va forcément devoir rentrer dedans, ça va lui faire perdre des unités. C'est du tout bon pour nous. Les constructions sont en route. Le Rex machin. Où en est la construction? On a un bélier, génial. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut venir nous le transporter? Toi t'es nul à chier, on n'a pas besoin de toi. Donc yes, tu vas venir nous l'emmener, tu prends. Toi tout seul en fait. Pas vraiment besoin de quelqu'un d'autre, tu vas juste faire le... Tu vas juste nous transporter, il va nous falloir un guerrier en bas, un mec bon avec des piques. Ah, ils sont pas du tout entraînés. Qui est bon? J'ai envie... Ah, ils sont encore en train de construire. Je les enverrai au dernier moment, il y aura un manque. Il sera là dans deux tours, je pense. Ikui, on va continuer de recruter... Ah, en fait, il est pas si mal. C'est un bon leader. Intelligence politique, charisme, pas très bon. Ah, il a... Ouais. Sunny, il est très bon. Enfin, il a des bonnes stats un peu partout. Il peut leader, il peut construire. Enfin, il est bien ambivalent, c'est bien sympa. On va recruter sévère. 80 order, c'est bien. On va passer tout. Shangyong, je peux rien faire, je peux pas entraîner les gars, non. Putain, on a de la thune et... On a plus de points d'action encore, oh là là, je fais trop d'action partout. Comment se passe l'assaut là? Pas terrible, ils sont rentrés dedans. Ouais. Bon, on va y donc. C'est pas tout beau tout ça. Je peux regarder si Macao il a son main. Je regarderai au prochain tour. Je vais te faire avancer à la main, tu iras peut-être plus loin. En avant mon gars, en avant. Tac. Tu recrutes. 13 000. On a personne pour entraîner. On va rester comme ça. Alors est-ce que le nombre d'actions par tour dépend de mon nombre de villes? Je sais pas. Car c'est vrai que j'ai beaucoup d'officiers pour juste deux villes. Faut que je m'agrandisse plus que rapidement, sinon je serais mal. Liu Biao, je pourrais lui rentrer dedans en fait. Il a quoi? Il a 4 villes. Encore celle-ci, il vient de la récupérer. De toute façon, Yuan Shu va pas tarder à l'attaquer vu le nombre d'unités qu'il a dans ses villes. Prochain tour. Ouais, c'est bien, ça rentre là dedans, fais-toi casser un peu la nuque. Il perd pas beaucoup d'unités, il s'en sort plutôt bien, il m'impressionne. Je quand même foutre le feu.